En question. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today the chamber continues La chambre to hear the testimony continue of the expert. Ms. Peggy Levine. Madame Peggy Levine. Mr. Imhoff, please report the attendance Je prie of the parties and le greffier de faire rapport sur la présence des parties et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui. Greffier, Mr. President, for le greffier, today's proceedings, all parties to aujourd'hui, toutes les parties present. Sont présentes. Mr. Nunchia se downstairs. Trouve dans la cellule temporaire du sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. The waiver has been delivered le document to de renonciation pertinent a été remis au greffe. The expert who is to L'expert continue qui testimony doit today, continuer Ms. à déposer Peck aujourd'hui, Levine, Madame Peggy is Levine, present in the courtroom. Se trouve dans le prétoire. Today we have a reserve civil party. Il y a une partie de réserve, deux TCCP. 298. Je vous remercie. President, thank you. Le président, Mr. merci. The chamber now decides on the request La chambre by doit Nunchia. Se prononcer sur une demande présentée par Nunchia. The chamber has received a waiver from La chambre Nunchia. A reçu de ce dernier un document de renonciation daté du 12 octobre 2016, dont il ressort qu'en raison de son état de santé, maux de tête et de dos, il ne peut rester assis ou se concentrer longtemps pour assurer sa participation effective à l'audience. Il renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. Having seen the medical report of Nunchia by the duty doctor for the accused at ECCC, La Chambre a pris 12, connaissance du rapport du médecin traitant des CETC concernant Nunchia et daté Let me, change de it. Ce it should be jour, 11, October ou plutôt, 2016, excusez-moi, je me reprends, il s'agit en réalité which du states that 11 Nunchia has a constant octobre 2016. Low back pain il y and est indiqué it becomes que a severe when he sits les for maux de long. Dos chronique de Nunchia s'aggrave quand il reste longtemps assis. Le médecin recommande à la chambre de faire droit à la demande de l'accusé. Par ce motif et en application de la règle 80.5 règlement intérieur, la chambre fait droit à la demande. Il pourra donc suivre l'audience. The every unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nunchia Service technique can veuillez raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse suivre l'audience à distance toute la journée. La parole va être donnée à la défense de Quesampan. Mais avant cela, j'aimerais céder la parole en premier lieu à l'experte pour qu'elle fasse une brève observation, le cas échéant. Je vous en prie, madame, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. L'experte, I just merci. Wanted to clarify my status Je voudrais préciser mon statut. J'y ai pensé ce matin. My status, was listed as Mrs. Peggy Mon état civil, Levine. Dans les documents, c'est I don't hold the status of Mrs. I am not a married person. Madame Peggy so Levine. Or, je ne suis pas mariée. Il faudrait donc apporter un changement dans le bon sens. Et il faudrait également ajouter les majuscules dans mon nom, ce qui est moins important que la première demande. Le président, merci pour ces informations. And again, I hand the floor to the defense la parole counsel to continue est donnée questioning the expert. À la défense and please inform the chamber how do you coordinate the time Quesampan. Between your team Qu'en and the defense de la répartition team for du temps de parole entre votre équipe et celle de la défense de Nunchia? Can you also tell the chamber that is Nunchia defense when you wish to question the expert? Indiquer à quel moment vous voulez interroger l'experte.
Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Comme je l'ai indiqué hier, nous reprenons l'usage habituel, qui est que lorsque un témoin a été demandé par une équipe de défense, nous allons en premier et l'équipe de Nyonchia interrogera à la fin de toutes les autres parties. Donc en dernier, étant précisé que nous avons convenu de 20 à 30 minutes de temps en fonction de comment je vais avancer. Donc je vais essayer de terminer ce matin en maximum 40 minutes et moins si c'est possible dans la session qui nous reste. Bonjour Madame Peggy Levine. Comme vous l'avez compris, il ne me reste malheureusement pas beaucoup de temps pour vous poser de questions avant que les autres prennent le micro. Il y a beaucoup de choses que je voulais aborder avec vous que je ne pourrais pas aborder. Je veux simplement obtenir quelques clarifications. J'ai compris que dans votre démarche scientifique, vous avez tenu à ne pas partir avec un préjugement sur le concept de mariage forcé comme vous aviez pu en entendre parler avant votre étude, et que vous avez tenu à ce que les gens qui étaient interrogés mettent leurs propres mots sur la qualification de leur mariage. Use their own words in characterizing ma première question their est de savoir, so est-ce que vous pouvez dire, dans le cadre de votre étude, combien de personnes, quel pourcentage a indiqué qu'ils étaient victimes de mariage forcé. Told you that they were victims of forced C'est ma première question, marriage. Et ensuite j'en aurai that une is autre. My first question, and I'll have some follow-up questions for you. Et est-ce que ce terme a été utilisé à un moment ou un autre par and les personnes spontanément? Was that term used at any point in time by the persons concerned? In my entire sample, the word forced was never used. Dans mon échantillon, le terme forcé n'a jamais été utilisé. Je voudrais du coup rebondir sur une chose que vous avez dit like hier en passant et que j'ai something you said en yesterday mes in notes. Passing and I vous saw it as I looked at my notes yesterday you stated that ressentaient de la honte quand on utilisait le mot mariage forcé. In using the word ma question est de savoir est-ce que marriage. Ça veut dire que my question is as follows. C'était une sorte does de mécanisme de défense et que c'est pour ça qu'ils n'utilisaient pas ce terme-là mechanism ou est-ce que and that is why they didn't use that term. Vraiment honnêtement et intrinsèquement, ils quite ne considéraient pas leur mariage comme étant forcé. They did not je ne sais pas si vous comprenez ma nuance. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils avaient entendu à l'extérieur words, et qu'ils le rejetaient complètement parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas victimes de mariage forcé ou parce qu'ils n'aimaient pas ce label? Considèrent that they were not victims of forced marriage. I'll just clarify je vais apporter une précision about my statement about the concernant word ce que j'ai dit sur le mot de honte. It was not until after the word force c'est seulement became une fois an agenda que le mot forcé a correspondu à certaines visées au CETC. Je vais le dire différemment. C'est après que le mot forcé est devenu un point de l'ordre du jour à apprécier au CETC que les gens ont commencé à avoir l'impression d'avoir honte de parler à leurs enfants des circonstances de leur mariage, quand et où. Ça, c'est donc le premier volet de ma réponse à votre question. Secondly, deuxièmement, they did not change their interpretation ils n'ont pas changé of their weddings leur interprétation de leur mariage as being authentic, comme but they ayant were concerned été authentique, about how public mais they ils could s'inquiétaient be, given the context du degré dans lequel ils pourraient en parler of publiquement media representation of concernant their weddings. Le contexte, notamment la façon dont leur mariage était dépeint dans les médias.
D'accord, donc si je comprends bien, c'était l'image qui était renvoyée de leur mariage qui leur posait un problème et non pas les circonstances dans lesquelles leur mariage avait été organisé. Est-ce que je comprends bien ce que vous dites ou est-ce que... Have I properly understood your testimony? Yes, that the shame factor became an artifact of the representation of their weddings est apparu à la suite in the media, de leur représentation, la représentation de leur mariage dans les médias, en particulier Again, à compter de 2004. My respondents, encore une fois, especially in that first very dense sample for surtout a very long period dans of time, le premier some for échantillon five long, years, so I parfois could track pendant 5 ans, j'ai pu observer les changements des personnes interrogées du point de vue de leur perception of their weddings. De leur mariage et de sa définition. Et une question qui est en rapport avec ce que vous avez pu entendre sur les mariages arrangés avant 70. Est-ce que lorsque vous avez interrogé ces personnes avant que cette notion de mariage forcé soit sur la place publique, est-ce que les gens que vous avez interrogés qui se sont mariés pendant le Kampuchea démocratique en dehors de la question des rituels qui est un élément important et je suis sûr que aside from the ritual dessus, elements, est-ce que and I'm sure gens, people will une deal with that later. Did people make any distinction que, between the qui fact choisi, that it was Anka les parents, that avaient choisi, had made leur the éventuel decision conjoint? Est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti de vos entretiens? Et est-ce qu'il y avait une différence importante dans le ressenti sur la manière dont les gens parlaient de ce mariage? Le fait que ce soit plutôt un responsable de village qui est choisi ou quelqu'un de leur famille. Parce que vous avez indiqué au départ que le mariage, de toute façon, n'était pas forcément le choix de deux personnes, mais de deux familles, voire d'une communauté. Est-ce que vous avez fait une distinction dans le ressenti selon que c'était par les gens, par une autorité du village, plus ou parce que c'était la famille qui arrangeait le mariage, dans le ressenti que vous avez eu ou dans ce qui vous a été dit par les personnes and avec what, in the way vous you felt vis-à-vis what people told you during those interviews. Just to clarify, because I may have understood je the very beginning préciser. Of j'ai your statement, you're wanting me to comment de on those who I interviewed comme une demande who de faire des commentaires sur les gens que j'ai interrogés dans le cadre de mon échantillon formel, des gens qui se sont mariés sous le Kampuchea démocratique. Est-ce exact? Oui, on va faire ça comme ça. Je voulais mettre trop de choses dans ma même question. Donc, commencez par là. Let us start with that. I put a lot of things in my questions. I do agree, but let us start with that. What unfolded in my research, dans mes recherches, in a way that was quite startling for me because I hadn't anticipated it, was that the longer I was immersed in interviews and travel with my respondents, the more the way in which people talked about la façon dont les gens parlaient de l'Ankar changeait. And that seemed to be a significant factor ça semblait être un facteur important in how they themselves par rapport à la façon dont les gens eux-mêmes the arrangement of their weddings. Vécu so, I think la façon what you're doing dont leur right mariage now is introducing a été arrangé. À présent, je pense que vous êtes en train d'introduire le rôle de l'Ankar dans les mariages. What I found ce que j'ai constaté your question, en guise d'introduction à votre question, the way in which c'est ceci. La façon dont l'Ankar était dépeint en tant qu'organisation, cette façon a évolué du point de vue sémantique au fil du temps, plus à mesure que je passais du temps avec les gens qui parlaient de leur mariage sous l'Ankar. Et l'Ankar est devenu moins une caractéristique organisationnelle et davantage une caractéristique métaphysique de leur expérience, voire théologique.
Effectivement, vous consacrez dans votre thèse un long développement sur les différents sens de l'ankar au fil des entretiens et des différentes personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenu. Et je fais référence aux pages 170 à 178 donc du document E3-1794, ERN en anglais de 00048862602. À 00048862610. Je n'aurai pas le temps de citer l'intégralité des différents sens qui ont été donnés par l'ankar, mais effectivement, ce que vous dites, c'est que, et ça vous le dites à la page 175 de votre thèse, ERN en anglais 00048862607. Et vous dites. Que de moins en moins l'ankar est vu comme dans le discours des personnes avec lesquelles vous parlez comme l'organisation ou un parti et que ça plus que ça sort du cadre idéologique et que c'est plus une entité qui a un pouvoir ou parfois s'identifier à un dirigeant en particulier, parfois c'est quelque chose de plus diffus. Donc, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre quel est la définition de l'ankar qui est revenue le plus souvent dans la bouche des personnes avec lesquelles vous êtes entretenu? In what emerged from the interviews of the persons you did interview. Yes, I would like to digress for J'aimerais a brief moment just to explain the method by how I came to some of my conclusions. J'ai tiré certaines de mes conclusions. So the form that I submitted this morning, le formulaire que j'ai présenté ce matin, qui a été demandé hier, I want to clarify that was a data survey form. Préciser que c'était un formulaire pour une enquête de données. Comment ai-je élaboré ce formulaire? Il y avait une question, qu'est-ce que l'ankar? Et toutes les personnes interrogées, les 192, y ont répondu. Pas où, mais qu'est-ce que l'ankar? J'ai analysé pendant presque 5 ans les interviews approfondies, les résultats de mes déplacements, le matériel des films ethnographiques, et c'est pour ça que j'en suis venu à poser la question. En effet, initialement, je n'avais pas l'intention d'investiguer là-dessus. Je l'ai découvert. Et j'ai donc décidé d'obtenir plus de données là-dessus. Voilà ce que je tiens à dire d'emblée. J'ai enquêté sur ce terme auprès de toutes les personnes interrogées. Et à la page 175, j'indique que 22% des personnes interrogées considéraient l'ankar comme étant un dirigeant. We see written in many historical texts, au sens qu'on trouve dans beaucoup de textes historiques, les chefs de l'organisation. From those 192 respondents, sur ces 192 personnes, 48% ont attribué à l'ankar des caractéristiques métaphysiques. En tant qu'anthropologue, il m'a fallu comprendre cela. Again, I didn't only encore une fois, je ne me suis pas seulement mis à rechercher des données de contenu. J'ai dû examiner le contexte, les processus par lesquels les gens en sont venus à me dire ce qu'ils ont dit, avec cette méthode de triangulation que j'ai utilisée. J'ai examiné la littérature pour en apprendre davantage à mesure que je recueille des données, en apprendre davantage donc sur les esprits transformateurs, sur l'importance d'une culture bouddhiste basée sur les esprits, la façon dont les esprits protègent les gens, transforment, comment les esprits peuvent transformer et détruire.
J'ai fait beaucoup de recherches approfondies sur ce thème. Pourquoi ? Parce que ce qui ressortait de ce que disaient les personnes interrogées, c'était que l'encart était perçu comme une force transformatrice. À tout moment, l'encart pouvait surgir et détruire. En réalité, dans le premier échantillon de 22 personnes, un couple, j'ai commencé par un couple avec une recherche sur l'encart. Je suis allé sur le site de mariage. Ensuite, ils ont voulu m'amener au village des mères parce qu'on m'a dit qu'ils pouvaient aller après leur mariage à ce village des mères et y rester trois nuits. En route vers ce village des mères, je leur ai dit une chose. Ils ont marché 5 heures cette nuit-là après leur mariage pour rejoindre cette maison. Et je leur ai dit ceci, quand vous vous rendiez à cette maison, de quoi avez-vous parlé ? Et ils m'ont dit, nous n'avons parlé de rien. Et je leur ai dit, pourquoi ? Et ils ont répondu, parce que l'encart aurait pu nous entendre. Et là, j'ai posé une autre question. À quoi pensiez-vous ? Et la réponse, nous ne pensions pas, parce que l'encart pouvait entendre ce que nous pensions. Et c'est là, avec la première série de données, ça a été le moment qui m'a conduit à ensuite enquêter sur la façon dont les gens ont vécu, ont perçu. Ici, on parle de perception, on ne parle pas de croyance. Comment les gens ont perçu l'encart dans leur vie au fil du temps, sous le Cambodge démocratique. J'enquêtais d'un point de vue ethnographique, j'enquêtais sur le sens des mariages et j'ai voulu comprendre le sens qu'avait l'encart aux yeux des gens à l'époque de leur mariage. C'est ainsi que j'ai commencé à enquêter là-dessus. C'est un thème extrêmement intéressant et il y a encore beaucoup de recherches qui sont nécessaires dans ce domaine. Et cette notion d'encart m'amène logiquement à poser la question au sujet de vos recherches sur la politique que vous avez pu rechercher sur la question des mariages, la politique officielle du PCK. Là, on parle de l'encart, donc cette entité qui est presque métaphysique dans le discours des personnes avec lesquelles vous êtes interrogées. Donc, ma question est de savoir, est-ce qu'en dehors de ce qui vous a été dit par les personnes que vous avez interrogées, est-ce que vous avez fait des recherches particulières sur des documents ou des entretiens éventuels avec d'anciennes personnes responsables pour savoir quelle était la politique du Kampuchea démocratique sur la question des mariages, si tant est qu'il y en avait une. Est-ce que vous avez eu des éléments dessus? Et qu'est-ce que vous avez Did you obtain any information in that regard? And if yes, what information did you gather? Because it's set outside the domain of my methodology, and cela I was quite a purist in conducting my research. I did not go into extensive investigation et in je n'ai that pas fait area. De recherche approfondie However, sur ce point. I did Toutefois, look to investigate because of what came out of j'ai my voulu study, mener des recherches à cause du fruit de mes études et ce à propos du facteur puissance de l'encart. Et ce faisant, je suis allé au CDCAM, je me suis entretenu avec le personnel de ce centre et j'ai pu examiner un recueil de dictons de l'encart. J'ai parlé avec Henri Locard qui travaillait là-dessus et j'ai effectué une enquête en quelque sorte concernant la façon dont l'encart était présenté par le régime publiquement. Et cela m'a aidé à éclairer toutes les expériences et perceptions cognitives contradictoires des gens par rapport à l'encart, ce qui était une époque
entity, qui était très perturbant, Patrice. C'était une entité dont personne ne savait où était l'Ankar. Est-ce que l'Ankar avait un siège, un QG, à quoi ressemblait l'Ankar? Donc, à une période de bouleversement, de chaos, une période où l'imagination des gens a été compromise, une période de peur, il est assez normal que des gens aient pu ressentir une certaine anxiété par rapport à cet Ankar qui possédait une force particulière dans leur vie et président à cette vie. L'accusation. Excusez-moi, Monsieur le Président. Je me félicite de la réponse du témoin, mais la question était de savoir si elle a examiné des documents ou si elle a parlé avec des dirigeants concernant la politique du régime en matière de mariage forcé. Et pour l'interrogatoire du témoin, il serait bon que le témoin réponde à la question posée. Je remercie Monsieur le procureur de son intervention, mais je suis en train d'interroger Madame l'expert, et si elle ne répond pas à ma question, j'étais en mesure de moi-même la diriger. Donc, ce serait bien que je ne sois pas interrompue dans le cadre de mon interrogatoire et que je puisse faire préciser s'il y a besoin de faire préciser. Ma question est de savoir, là, vous venez de parler, Madame Levine, de la notion d'Ankar et de ce que vous avez fait comme recherche sur la notion d'Ankar. Ma question était de savoir, est-ce que vous avez fait, j'ai compris que ce n'était pas dans votre méthodologie, mais est-ce que des entretiens que vous avez eus avec les personnes qui vous parlaient éventuellement des autorités locales, est-ce que d'entretiens éventuels avec des personnes qui avaient une autorité au moment du Cambodge démocratique, vous avez eu accès à des documents ou à des instructions qui ont été reçues sur la question du mariage de façon générale? On the issue of marriage in general. Thank you, and I apologize for Merci. Not answering Excusez-moi fully de ne pas avoir répondu pleinement à votre question précédente. I did not speak to leaders. Je n'ai pas parlé à des dirigeants. J'ai eu accès à des noms de dirigeants, c'est encore le cas. In that pathway, mais pour m'engager sur cette voie, compte tenu des paramètres de la recherche, compte tenu du but de mes recherches, à savoir enquêter sur les phénomènes sous-jacents au mariage, cela m'a conduite à me confiner dans les paramètres que je m'étais fixés. Et il y avait des décisions, des conseils déontologiques que je devais aussi respecter. Si je m'étais engagé sur cette voie-là, je serais sorti de ce champ d'études précis. Toutefois, quelqu'un d'autre peut faire avancer la recherche dans ce domaine. Je pense que ce serait une recherche très intéressante si quelqu'un s'y consacrait. D'accord, donc je comprends votre réponse que vous n'avez pas, parce que ce n'était pas le sujet, la manière dont vous abordiez le sujet, que vous n'avez pas cherché à avoir des documents officiels du PCK. Sans recherche particulière, vous aviez notamment au travers des dictons, des 12 principes moraux du PCK, commandments of the CPK, et notamment du principe numéro 6 évoquant le mariage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié, quelque chose dont vous a parlé pendant vos entretiens? Of course, I considered all of those principles because it was part of my literature review. Tous ces principes, parce qu'ils faisaient partie des textes que j'avais examinés. Dans mes échantillons, est-ce que les personnes interrogées ont précisément renvoyé à l'un quelconque de ces principes? La réponse est non.
je vous dis ça parce que I'm c'est effectivement because, la question de la police, enfin la question de comment se déroulaient les mariages, par qui ils ont été, comment ça a été appliqué sur le terrain et quelles étaient les directives en haut lieu s'il y en avait, c'est une question centrale de ce procès. Et peut-être pour essayer de vous faire rebondir, je ne sais pas si vous avez lire d'autres études dessus ou d'autres interventions d'autres personnes à ce sujet. Mais lorsque l'expert Nakagawa est venu durant cette audience le 13 septembre dernier, voilà ce qu'elle a dit un petit peu avant 15h06:47. Elle indique, je pense qu'il y a eu une politique établie en haut, une politique tendant à organiser des mariages collectifs. To organize collective marriages, but I did not have enough evidence to assert that there was a pre-established policy in order to organize forced marriages. End of quote. Pour réagir so, à reacting ce qu'a dit to cet what expert, the other expert said, de vos études, based on de vos your recherches, research, vous avez, and également constaté qu'il y avait eu une politique ou en tout cas un mouvement d'organisation de mariage collectif. Ça, c'est ma première question et je vous poserai la deuxième question. And then I'll put my second question to you after that. Because I mapped as much as I could, dans la mesure du possible, j'ai essayé de cartographier mes données dans le temps et dans l'espace. J'essaie de remettre la main sur une carte que j'ai ici, quelque part. Je pense que c'est à la, je pense que c'est à la page 8, page 8 en lettre romaine de, de votre thèse in your dissertation, qu'on a abordé Roman hier. Numeral 8 of your dissertation, which we spoke about yesterday. C'est une autre carte que j'ai amenée aujourd'hui. Désolé, je suis en train de compulser mes documents. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants pour vous donner des données concrètes à propos de votre question. Donc oui, j'ai voulu comprendre le déroulement des mariages au fil du temps et avec les variations spatiales également. Là où il n'y avait pas de mariage, j'ai observé qu'il y avait plus de purges opérées par les Khmer Rouges. J'ai même hésité à interpréter ce phénomène en rapport avec les mariages. Mais je pense qu'il y avait une corrélation entre les endroits où il y avait des purges et les différentes manières dont les mariages étaient conçus, à savoir d'une façon plus séquentielle dans certaines régions. Et cette séquence semble avoir vu le jour dans les région après les purges, en particulier dans l'Ouest. Encore une fois, j'ai examiné les rituels et donc les rituels qui ont été reconstitués par la suite en 78-79, ces rituels-là étaient plus réifiés qu'au début. Donc, la façon dont ces rituels réifiés avaient lieu semblait être en corrélation avec l'identité du chef de commune de village à un endroit donné. Autrement dit, des gens avaient certaines libertés dans certaines régions. Ils pouvaient aller chez un parent après un mariage. Dans d'autres cas, ce n'était pas ainsi. Toutefois, les gens bénéficiaient d'un certain temps pour être ensemble après le mariage. À certains endroits, les gens sont restés ensemble jusqu'à la fin du régime. Dans d'autres endroits, ils sont restés ensemble quelques jours pour être ensuite séparés et envoyés à des endroits différents, en particulier lorsque les membres du couple venaient d'équipes itinérantes. Donc, il m'est bien difficile de répondre à votre question.
adequately as I would like. J'aimerais pouvoir répondre plus précisément. I was always trying to make things fit into a pattern to see if there was a policy from the top that was coming down. Si les choses pouvaient s'imbriquer dans un schéma récurrent pour savoir s'il y avait une politique édictée d'en haut et appliquée en bas. A general consensus je pense qu'à l'époque, en haut, il y avait consensus pour dire qu'il fallait faire quelque chose et que les mariages en faisaient partie. Comment ça a été mis en œuvre? Là, il y a eu beaucoup de variations apparemment, en tout cas surtout au début du régime, dans le temps et dans l'espace, au point qu'il est difficile d'affirmer qu'une politique avait été établie au début du régime. C'est peut-être le cas, j'ai émis cette hypothèse davantage au fil de mes recherches, surtout que j'ai pu avoir accès à des témoignages à la Haye, à Los Angeles, à la Fondation Shoah. Donc j'ai eu l'impression qu'une politique était élaborée. Mais au début du régime, il y avait une politique d'improvisation. Et le bouche à oreille était très important. On parle de songlines en Australie par rapport aux aborigènes. Donc un réseau informel de communication sur les événements. Donc ce songline, comme on l'appelle en Australie, je pense qu'il est venu alimenter le développement au fil du temps des premiers balbutiements d'une politique. Mais je ne peux pas dire que mes recherches m'ont permis de découvrir cela. Juffens, j'interromps. Désolé, mais ce n'est pas assez clair. Vous faites référence à quel type de politique? Réponse inaudible. La juge. En général, les mariages sans précision, arrangés, forcés, juste les mariages. Merci. Il n'y avait pas de micro et du coup nous n'avons pas entendu la réponse de l'expert. The microphone was not on, so we didn't hear the expert's answer. My question is on record. Judge Fence, ma question a été enregistrée. Yeah. Then please repeat. Veuillez the répondre. Answer. Répétez la réponse. Thank you for your question. Réponse. Merci pour la question. Because I did not do my research on forced weddings. Mes recherches n'ont pas porté sur les mariages forcés, mais bien sur les mariages. So, I was interested in whether there ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il y avait une politique weddings relative au mariage. Et sur, du coup, j'ai l'impression qu'on n'a pas l'intégralité, et sur l'existence d'une politique sur les mariages, vous dites, oui, il devait en exister une, en tout cas, c'est ce que, ce qui ressort de mes recherches, c'est ça? Enfin, de vos recherches, c'est ce que vous dites? This is what you gathered from your research, apparently. Is that what you're telling us? Yes, I apologize for thinking out loud. Mes excuses d'avoir réfléchi à voix haute dans ma réponse précédente. At the beginning, my data au début, seems to show mes données semblaient at the montrer de façon convaincante regime, qu'au début du régime, there was a general understanding il y avait une compréhension générale selon quoi il y aurait however, des mariages. It was so chaotic toutefois, at the beginning au début, how the weddings happened, l'organisation des mariages était extrêmement chaotique parce que les gens avaient eu beaucoup d'accès aux mariages traditionnels dans le premier temps des mariages de groupe, surtout en 75 et 76. Et donc c'est seulement en 77 qu'apparemment les mariages sont apparus comme so I think in the beginning étant plus of the cohérent. Regime, donc au début du régime, à mon avis, il n'y a pas eu de politique de mariage quantifiable. After areas were purged, des purges ont eu lieu dans certaines régions, des gens ont été déplacés, et après cela, les mariages ont commencé à avoir lieu dans les régions objets de purge, et en 78, à compter de 78, il y a eu des rituels qui ont été réintroduits. Je pense que les rituels doivent être examinés dans le cadre des mariages sous le cadet, et pour 78, selon moi, d'une certaine façon, il y a eu une politique, de façon organique, dirais-je. Mais je n'ai pas de preuve qu'il y aurait eu une politique écrite, passée du haut vers le bas, ou examinée, dont parlaient les gens dans les villages au moment où les mariages étaient organisés. À mes yeux, d'une certaine manière, il s'agissait d'une politique en quelque sorte organique. Pour la fin 78, il semble que tout le monde était au courant.
L'accusation, encore une fois, je sais que c'est l'avocate qui interroge l'experte, mais toutefois, quand nous soulevons une objection, nous n'avons pas... La question portait sur l'engagement 6. Et l'experte n'a pas répondu. Elle n'a pas dit si elle connaissait cet engagement numéro 6. Monsieur le coprocureur aura tout loisir de poser les questions qu'il souhaite lors de son interrogatoire. Lorsqu'on échange avec un expert, on rebondit en fonction des réponses et je rebondis en fonction de ses réponses. Donc, et comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais aller sur les points qui m'intéressent. Monsieur le coprocureur aura tout le loisir d'examiner tout ce qu'il souhaite dans le cadre de son interrogatoire. Une question, parce que je suis pris par le temps. Vous avez, dans le cadre de votre comparution, fourni spontanément un certain nombre de documents à la Chambre, et notamment un document qui s'appelle, dans lequel plutôt vous faites référence à un entretien que vous avez examiné de CDCAM. You looked at un entretien que vous avez examiné d'une personne qui a été interrogée aux États-Unis et que dans le cadre de votre travail à la Shoah Foundation, vous avez examiner et à lire dans le cadre de vos recherches. Et je fais référence au petit synopsis que vous avez envoyé à la Chambre, qui a le numéro E3-106676. Donc, c'est les ERN 01330847 et 01330848. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez en main, donc est-ce que je peux, avec l'aide de monsieur le juge d'audience, remettre le document à madame Peggy Levine pour qu'elle sache à quel document je fais référence. Et dans ce document, pendant que je continue, je crois que monsieur le président a hoché la tête. I believe the president nodded, yes, agrees to that. Dans ce document, vous évoquez le fait que vous vous êtes rendu compte cet exercice de vérification de traduction des éléments que vous avez en main en Khmer, que il y avait une partie qui avait été omise déclaration prise par le CDCAM et qu'une des questions qui avait été omise est-ce que votre mariage a été forcé, est-ce que vous avez été marié de force, vous avez mon exemplaire donc je ne l'ai plus sous les yeux, et que la réponse de la personne interrogée avait été non. Partie ne figurait pas dans l'entretien CDCAM qui vous avait été fourni, la transcription telle que vous avez été fournie par le CDCAM, et que c'est au visionnage de la version filmée que vous avez pu voir que cette partie était manquante. J'en reviens donc à la question générale. Là, vous me voyez même dans les interventions de la Chambre des parties et de, je suppose, des remarques que vous avez eues par rapport à votre travail. Il y a toujours un problème à parler des mariages sous le Kampuchea démocratique quand on n'utilise pas la mention de mariage forcé. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce point, et ce sera malheureusement ma dernière question, étant précisé que vous avez indiqué dans vos conclusions, dans le cadre de votre thèse, que vous n'avez pas utilisé le mariage forcé, le vocable forcé, et que vous analysez plutôt les mariages tels que vous les avez étudiés dans votre étude, que vous faites une analogie avec une sorte de service militaire. Compare this to some kind of military service. So, can you explain vos conclusions à ce sujet et comment vous déterminez? Je sais que c'est une question très compliquée, mais malheureusement, il ne me reste que même pas 5 minutes pour laisser développer sur ça, mais je suis sûr que dans le cadre des autres questions, des autres parties voudraient revenir dessus. Mais est-ce que vous pouvez au moins donner une vision synthétique autant que possible de ce que vous avez décrit? I
Just want to clarify because I have two very big questions before me. One that's related to the submission of transcripts for court review that I had submitted when I was at the Shoah Foundation. I had the honor of being the inaugural fellow. I was brought there to help create the first database for Cambodian survivors for the Shoah Foundation. So do you want me to reply to that, or to the latter question about my use of the transcription, or to divide it in half? Well, you can divide it in half if you want to. So then I'd like to clarify about the role of DCCAM in this particular submission that I submitted, because the clarification is very, very important. Before I arrived at the Shoah Foundation as the inaugural fellow, the Shoah Foundation, as a way of just trying to begin building a new index for Cambodian survivors. They had brought in some DCCAM staff to help them begin that process. And the DCCAM staff did two things. They wrote the interview protocol that they were going to be using, and they also interviewed two Long Beach Cambodian former refugee survivors, because I was doing research still on the wedding period. J'effectue encore les recherches sur la période de mariage. The questions that were being written, because I was then going to be expected to take testimonials based on those written questions. Car je devais recueillir les témoignages sur la base de ces questionnaires. The integrity of the questions that were being put before the survivors. Posées aux survivants. And that document was changed. Et ce document then a été I had modifié. Access to the films. Ensuite, that the Shoah Foundation owns the film. I had access to the Fondation Shoah. Ce film est la propriété de la Fondation Shoah. J'ai eu accès à la transcription et au film qui a été produit par deux membres du personnel du CDCAM. And in reviewing that, it seemed as if something was missing to me. And so I encouraged the Shoah Foundation. We had many discussions, and they decided to get a second translator. Now, in the first, d'engager un deuxième traducteur. In the first testimonial, dans le premier témoignage, the DCCAM staff had interviewed the person, le personnel and du CDCAM a interviewé la personne. Member, Mr. Et ce or Dr. Kusal Tha, he Kusal was the translator of those transcripts. So, était le traducteur. His translation was sent to DC, sa traduction was sent to the Shoah Foundation, and they were going to use Shoah. That for subtitling. Et ils ont voulu utiliser cette traduction pour but I encouraged them to get a second translation, je les ai an independent translation. Les services the independent d'un deuxième translator indépendant went through the original tapes, qui, lui, and what he did was he put in blue font things that had originaux. Been changed il from a marqué the original en bleu interview ce qui avait été and things that were omitted from the original interview. It was then that I realized that there was a question in that interview about weddings. C'est ainsi que j'ai su que dans l'entretien, il y avait des questions sur le mariage. And the response was dropped out. Mais if I might read. Ces questions sur le mariage et les réponses ont été omises. Je vais donner lecture. Mr. R was asked, how old were you then? Question, quel âge aviez-vous? The interviewer, DCCAM interviewer. I was about 23 to 24 years old. J'avais 22 when I was evacuated réponse, from Phnom Penh. J'ai été évacué de Phnom Penh. The interviewer, did they force you to get married during that time? Vous a-t-on forcé à vous marier responded, à cette époque? No, they did not. Personne interrogée, non. So we are finishing another tape. I know by c'était giving testimonials at the Shoah Foundation that I, as the interviewer, determine, because it's digital film, when I stopped the tape. So the tape was stopped there. D'un enregistrement numérique et c'est when the transcript was translated by the DCCAM member, achevé. The transcript came back and said, how old were you traduit, then? I was about 23 to 24 years old when I was evacuated j'avais from Phnom Penh. Ans, so we are finishing Penh. Another tape. Donc, as a researcher, I would not have had access en tant que chercheur, je n'aurais pas weddings, pu avoir accès à cette réponse had I not been sur in that les mariages that I had si je n'avais pas occupé la position and the reason que j'avais I submit à la Fondation Shoah. It may have just been an oversight on the part c'est peut-être of the person who did the translation. Une négligence but the reason de la part du traducteur, mais la raison pour laquelle j'ai déposé ce document so difficult
C'est parce qu'il a été si difficile d'avoir accès aux recherches effectuées sur cette période has been research that has been neutral que je pense and unbiased que, in sampling and questioning. Il y a eu des recherches and so neutres that is why I submitted this document sans parti pris. I was surprised to have found this omission as a researcher on this topic. D'avoir trouvé cette émission en tant que chercheuse sur ce thème. C'est la réponse à ma première question. More briefly, that there may be time to come back to later. Yes, I came to the conclusion in my study that the weddings were, I use the term, conscripted. I use that term in a very etiological way. When one looks at the term forcé, conscription, it was a legal term in 1798. It has Latin roots. Excusez-moi. I apologize. Je vous arrête parce que please en français, j'ai entendu in French, le terme forcé dans la traduction et je ne pense pas que c'est le terme que vous avez utilisé. Est-ce que vous pourrez utiliser le terme que vous avez en anglais pour être sûr que nous ayons une bonne traduction to make sure that we have français. An accurate translation in French. In terms of the word I have assigned to the weddings, the word I have assigned to the weddings is conscription. Et c'est la conscription ou conscription. Et c'est la qualification que j'ai donnée au mariage. Et conscription, quand vous dites conscription, est-ce que on ne peut pas vous opposer que ça pourrait être une autre façon de dire can't que tell you that c'était this might forcé another way of contre la volonté that quelle différence est-ce que vous faites entre will, conscrit what's the difference you make et, between conscription et forcé and forced? Returning to the Latin roots of the word, if we look at the etiology of the term, it means write down together. It was first used in Britain when they were gathering troops by writing down orders ensemble. To put people's names on lists il s'agit for service. Ensemble les noms des in Australia, sur the term means en Australie, national service. Ce terme in the United States, service national. It means aux États-Unis, selected service. Il s'agit d'un service the U.S. Sélectif. Government has the right le to conscript property in states of emergency. Conscrire it's often compulsory in armed forces. Ce terme est utilisé dans les forces people armées. Are released by the government les gens sont if they are deemed to be conscientious si objectors, but they must do civil assigned duty. That's mandatory if they're released as a conscientious objector. Si l'on estime qu'ils sont evasion is a criminal offense in most countries. L'évasion est un resistance dans plusieurs is pays. Usually an offense, la résistance at least est généralement my understanding is in 44 states in the United States, dans 44 États there are penalties of jail, sous community service, d'une if one fails to obey conscription. Ou globally, nine countries si in the world la conscript women. Pays dans in le Asia, monde, the country is Malaysia. Des femmes, et en Asie, I say in my thesis la on page 14, à la page the national selection of young men and women for group weddings and related prescriptions for sex and the systems designed to accommodate the pregnancies, abortions and births that came next. In many ways, I see that process, the original process of marriage as people doing a national service is how I ended up interpreting that term. I can talk about it more at length later. C'est ainsi que j'ai fini par interpréter ce terme et je pourrai y revenir plus en profondeur par la suite. Le temps m'est compté, il faut vraiment que je laisse du temps pour mon confrère de l'équipe Nunchia. Mais un point sur la question de conscription et issue of conscription. Je tiens à dire d'ailleurs qu'en français j'ai encore entendu French, le terme forcé. Je ne sais pas si c'est un mot que vous avez utilisé en anglais, mais en tout cas je l'ai eu en français, donc case, je l'attire l'attention so pour like les transcripts. En tout état de cause, quelle différence est-ce que vous faites, et ce sera ma dernière question parce que je n'aurai pas plus de temps, entre un choix qui a été fait dans les mariages traditionnels antérieurs en disant
c'est l'âge de se marier et on estime que pour la famille, il faut se marier avec telle personne, pas forcément le choix du conjoint, et avec ce qui s'est passé pendant le Kampuchea démocratique, en tout cas à certains endroits où on dit c'est le moment de vous marier et le choix est fait soit en accord avec la famille, soit sur une proposition ou dire de, du chef de village of, the village leader, or de, du chef d'unité upon the decision of quelle the est la différence dans la mesure où dans l'un et l'autre cas, si j'ai bien compris, because les époux n'avaient pas forcément cases, le choix de leur conjoint. Est-ce que vous pouvez faire, et ce sera ma dernière question sur ce point, et je laisserai ensuite la parole aux autres parties. And then I will give the floor to the other part. In many ways, your question brings me around in a circle to your earlier question about Ankara. Votre question me renvoie à la précédente sur l'Ankara. From the study I did, because I included perceptions of Ankara. J'ai inclus les perceptions de l'Ankara. Being conscripted, in many ways, was being called up by Ankara. Être conscrit for service. Signifie être appelé par l'Ankara pour le service. I mean, that is my short answer de plusieurs manières. C'est là la brève réponse que je peux donner à ce stade. There is a relationship between the way the term Ankara was being used in the weddings était utilisé lors des mariages and people's experiences of loyalty, which is part of some of the principles that I'm sure we'll talk about later, par rapport à la loyauté, and service. Et j'y reviendrai plus tard. Et le service. Et je fais une dernière précision. A very vous parlez last de point loyauté of clarification. Vis-à-vis de l'Ankara. Lorsque nous avons parlé Ankara, avec l'expert Nakagawa, when we spoke elle parlait Nakagawa, du fait que she was speaking les about the fact enfants ou les that qui devaient se marier who, se mariaient aussi children who had to en get reconnaissance et une sorte de loyauté vis-à-vis des parents de leurs parents. Est-ce que vous faites un parallèle entre ces deux choses ou est-ce que pour vous, ça n'a rien à voir? Can you draw a parallel with this sense of loyalty towards Ankara or this has nothing in common? Et peut-être pour que vous ayez une réponse complète, est-ce que dans les entretiens que vous avez menés, les gens ont parlé de leur famille et de l'Ankara en termes de loyauté au moment de considérer leur mariage, lorsque ces mariages étaient proposés à l'Ankara par les familles, to get married, or when these marriages were proposed by Ankara to the families? Thing to say, if I were to say yes, that I agree with si je dois dire Ms. Nakagawa's oui, statement, Nakagawa. Would be a surface agreement. Because what I'm talking about here surface. Is very dimensional and very complex. A une dimension this, très complexe. This issue of loyalty at a time when people were displaced, à l'époque, and then déplacés. Their loyalty to families was displaced, and then replaced on Ankara is a thread that is part of my answer to your question. But again, it's very complex. Fil conducteur. And the seduction, there is a seduction about how Ankara was represented to people in a way that was very, very disturbing, I must say. But there is something quite seductive about being loyal to Ankara for people in my study. En ce qui concerne la loyauté des personnes envers l'Ankara dans mon étude. C'est avec regret, Monsieur le Président, que je mets fin à mon interrogatoire et j'ai dépassé le temps qui m'avait été accordé par mon confrère et j'espère que vous ne lui en tiendrez pas rigueur. Il y a eu quelques complexités qu'il fallait avancer. Donc c'est de ma faute, ma très grande faute. And I do acknowledge that it is my fault. It is my fault. Your Honor, given the importance of the testimony and the fact that I think we didn't get very far, and the witness has said quite a bit that she'll get to
expand her answers later when actually that'll depend on the questions she's asked. Des explications plus I would propose plus tard, that both sides be given an extra session that the witness be extended to 2 days. Je propose que la déposition du témoin soit prorogée à 2 jours. I just wish to add that the bench has a couple of questions too. J'aimerais ajouter que la chambre a également quelques questions à poser. The easiest thing perhaps to do is, because I might need some time and some of the things you want to address de faire, c'est que will probably be addressed by me. Perhaps we can make a decision on how much we will additional time if any we give to the parties after I've finished my questions. I'm not sure how much time we'll need. Of course, we don't know until we actually do it. I would say that I wouldn't like to do my examination until I see the schedule, which hopefully will be distributed soon. Que je ne voudrais pas commencer mon interrogatoire avant d'avoir vu le calendrier. Questionnaire hasn't been distributed. Sorry, the questionnaire, I haven't gotten it, and I don't see it on email yet. Je n'ai pas encore reçu le questionnaire et je n'ai pas eu d'email à ce sujet. J'ai envie d'utiliser ce questionnaire dans le cadre de mon interrogatoire. Huissier d'audience, est-ce qu'on peut remettre une copie papier aux parties? Defense counsel have it? Nous l'avons de notre côté. Juge Fens, la défense, vous l'avez? Short, so easy to digest, but still. C'est un court document facile à examiner. Can I just ask an additional question to the expert as a precondition for the decision on potentially extending the time? How long are you available? Sur la prorogation de du temps de déposition. Madame l'experte, vous êtes disponible jusqu'à quand? Currently my flight, my rearranged flight is due to depart tomorrow night. Mon vol est prévu pour demain soir. Thank you. Un vol qui a été repoussé. Okay, then I'll go next. The first thing I want to do is a procedural issue. The chamber wishes to put j'aimerais commencer par une question de procédure. The questionnaire. La chambre aimerait admettre en preuve le questionnaire. Has already been referred to. Are there any objections to that from any of the parties? Ce questionnaire a déjà été abordé. Est-ce que les parties ont des objections à ce sujet? For the record, no objections. Pour le procès-verbal, il n'y a pas d'objection. The chamber therefore puts the 2 pages of questionnaire en preuve les deux pages on the case file, admits it into evidence, et and nous déclare I'm recevable. Reading into the case file the confidentiality agreement because je it's only available in handwriting, and I would ask you to confirm that this is actually really the agreement. So the confidentiality agreement reads as follows. Point 1, I give permission for my interview to be used in research, and point 2, I understand my name will be kept confidential, alternatively secret. Is that correct? Confidentiel et en définitive secret, est-ce exact? Yes, that's correct. I would like to add that people did not sign this document because signing a document could have had
implications for people. So they gave a verbal agreement, and that verbal agreement was recorded. Les implications, ils ont donné leur accord oral qui a été enregistré. Oui. Il ne s'agit pas d'un accord avec la Chambre, mais plutôt d'un accord de confidentialité. Voilà, je voulais intervenir parce qu'en fait, dans la version française, on a entendu que c'était un accord donné à la Chambre. Version, et en fait, la Chambre n'a rien à voir ici. C'est un accord de confidentialité dans le cadre de la recherche. Agreement with the chamber. The chamber has nothing to do with it. It is a confidentiality, a kind of agreement related to the research. Yeah, thank you. Now, this is obviously a topic of great interest for the public, and not all of the public might have read your book, so please understand many of my questions against this background. I think it's really essential that not only the Chamber, but also the public understands what exactly your findings are and how you reach them in the end. Now, let me start where basically defense ended, which is another try to clarify terms. Because obviously in the public debate and in the debate in these courtrooms, among others, the terms arranged marriage, forced marriage, the notion of love in marriage have been debated, and occasionally the lines have been blurred. Now you have just introduced a new term, which is conscripted marriage, and I'll come to that. Obviously, so this is one thing. The second thing that struck me is that your questionnaire doesn't deal with forced marriage, and you have mentioned that a couple of times. The only two questions that can be seen as having a relation to that is the one question, page one, which says, were you told to have sexual relations? And in an even wider sense, what did you think ANCAR was? So, général, que pensez-vous did I understand you correctly that the purpose of the study was not to establish whether or to what extent forced marriage had happened in Cambodia during the Khmer Rouge period? Au Cambodge, sous la période des Khmer Rouge. Yes, that's correct. Réponse oui, c'est exact. Can you remind us what was the question. Purpose of the study? Very short. Quel était l'objectif de cette étude? Très brièvement. The purpose was to be able to map to the best of my ability de mes compétences the function and structure of the weddings le across time structure and des place mariages dans le temps et dans under democratic Cambodia. Sous le Cambodia démocratique. And to assist a better historical et de faciliter and sociocultural understanding une meilleure of that compréhension phenomenon. Socioculturelle et historique de ce phénomène. Now, I want to go back to this question. Before I actually ask you, so you know where my initial question is going. What findings exactly you feel confident to make when it comes to existence, frequency, policy of forced marriage in the Khmer Rouge period? Before I ask this question, I have two questions before that. My first one is I'll try again to clarify terms. You are reluctant to use the term forced marriage. You use the word conscripted marriage. Now, as I said, what you said about the roots, Latin roots, etc., is very interesting. But I think specifically for the benefit of the public, we should try and clarify exactly what that means. Il faudrait essayer what, de clarifier if la signification. Any, is the difference in your opinion, how you use the words, between a forced marriage en and a conscripted sens, entre marriage? Mariage forcé et mariage conscrit. Firstly, in the methods that I used, réponse, tout d'abord, dans la méthodologie que j'ai utilisée,
It was important that I only represent il était important the perceptions, que je ne représente beliefs, que les perceptions, opinions, les croyances, experiences les of the respondents le in my study. Des personnes interrogées dans le cadre de mon étude. No one in my study et pour ce faire, personne that their dans mon étude ne m'a dit que le mariage était forcé. C'est la première déclaration que j'aimerais faire. Difficult for me then il était donc difficile pour to moi track something d'essayer de retracer that quelque wasn't chose part of my database, qui so ne figurait pas dans ma base de données. But again, je ne l'ai donc I pas fait. Continued to try to understand ensuite, how they came j'essayais to understand de comprendre their experiences comment of their weddings. Ils and in doing that, ont pu comprendre leur expérience des mariages. Et j'ai donc commencé à entendre la loyauté des gens envers Ankar. J'ai commencé à explorer comment la loyauté de la famille était transférée sur l'Ankar. Get hints of and then tracked for very long periods avoir des indices, what people really meant by their experience of Ankar. De ce que les gens entendaient and in par doing that, et leur expérience de l'Ankar be, sur une longue période, especially since I was trying to get consensus in couples as étant donné well, que je voulais obtenir le consensus be, des couples, many people, il a semblé, maybe seemed to be isn't the right word, many people il a semblé referred to their weddings as if le bon they terme, were mais la plupart providing gens, a service to the future of the country. Le mariage comme s'il and it is because of that that I started to think about where historically, again, I'm looking at historical ramifications for what happened under DK. Les ramifications where historically have there been times, passé, have there been governments, au have there been regimes démocratiques, who have called people up et for je me national suis demandé service. Dans l'histoire quels étaient les gouvernements ou les États qui ont enrôlé les gens pour le service said, militaire. Je vous interromps. Vous parlez ici de conscription. Vous décrivez la conscription comme étant le fait d'être appelé aux armes. If you didn't come up, you might be imprisoned. Si vous ne vous présentiez pas, now, vous pouviez être emprisonné. Donc, voici ma question. Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce que c'est ainsi que vous décrivez la conscription? Because my follow-up question would obviously be, ma question de suivi sera donc, bien sûr, la suivante. À votre avis, prospect of being imprisoned, la perspective de se retrouver en prison au cas où on n'obéit pas à la conscription, est-ce que vous considérez que c'est de la coercition, le recours à la force ou le menace du recours à la force, selon votre définition? I might disclose réponse. Self-disclose for a moment. Pour un because given my age petit moment, and my generation, I was a member of the Vietnam War que j'ai culture été in the United été States de la culture when my friends de la guerre du Vietnam aux États-Unis, vu right mon âge et ma génération. And the right to vote was 21, j'avais called up for moi a draft et mes amis, in the mes amis avaient 18 ans, or il fallait 21 ans pour être allé sous les drapeaux, et le cas échéant, si on ne se présentait pas, on était emprisonné. Donc, to hold ce qui était difficile pour moi, historical ça a places in the world where conscription is not a crime. For a government to conscript people into service is not a crime. Réfléchir so ou I le fait de conscrire des gens n'est pas un that crime. Same il right était difficile. In my use donc, of the term moi-même, conscript for people je retiens ce, in the weddings under DK. Cette même notion pour ce qui est so de la conscription au sens des mariages saying, du Cambodge démocratique, la juge Fence. Even donc, if si je comprends bien, d'après ce que vous dites, même si ces mariages ont eu lieu moyennant sanction, une menace de sanction, cela n'est pas un crime parce que la conscription n'est pas un crime dans certains pays. Est-ce que je vous ai bien compris? Est-ce que j'ai bien compris cette équation? I'm concerned that I may have made a réponse. Leap that I didn't mean to make. Peut-être que j'ai so fait that, un saut que je ne voulais pas faire. Let me clarify a little bit more finely. Je vais essayer de préciser. There were people in my sample dans mon échantillon, who were conscientious objectors il y a eu des gens qui étaient des objecteurs to de conscience par rapport au mariage them. Avec la personne choisie par some Ankar. Of them had certaines no de ces personnes consequence. N'ont pas subi some de conséquences. Did labor that was forced. D'autres
ont été soumises au travail forcé comme some conséquence. Of them, d'autres, one of them, ou en tout cas une personne, was sent to a prison. Une personne a été emprisonnée that was a consequence. En tant que conséquence. You would consider this force. Vous considérez que c'est quelque chose de forcé, autrement dit, si on n'obéit pas à un ordre, leads to prison cela veut dire or, qu'on est emprisonné forced labor or so. Ou qu'on est astreint à un travail forcé. The word forced, as we have le said mot forcé, very comme nous l'avons répété bien souvent, est un terme très chargé. Donc, j'essaye de bien comprendre de quoi on parle quand vous utilisez ce terme. Réponse. I know that what I'm presenting is very challenging. Je sais and it's challenging que to c'est me as well. Difficile to put my head around it, so I appreciate de, this debate. D'en parler, de le comprendre, c'est difficile pour moi aussi. Je me félicite de cette discussion. The crux of how I came to determine alors, en gros, that word conscripted comment is related est-ce que to j'ai estimé que le terme conscrit était lié au thème reviewed this morning, que nous avons examiné ce matin, the role of Ankar, à savoir le rôle de l'Ankar dans la vie des gens et la loyauté des gens envers l'Ankar au moment où on demandait aux gens d'épouser une personne choisie dans le cadre d'une union arrangée par autrui. C'est à partir de cette base de données I tried to find a term que j'ai essayé that best de trouver un terme qui puisse être le plus exact again, possible pour décrire, et ici encore je parle de la structure du fonctionnement des mariages, pour décrire, disais-je, could best describe the function pour décrire donc weddings held les fonctions du mariage sous le cadet. And I think the function it held et je pense was que doing la fonction du mariage, service. C'était un service rendu à la nation. We are in a situation which we get frequently with c'est on une one hand lawyers, situation fréquente. Il y a d'un côté les juristes qui doivent traiter les aspects particuliers d'un crime. C'est pour ça que je répète certaines questions, tandis que vous, vous provenez d'un horizon professionnel tout à fait différent. Donc, soyez indulgente si vous estimez que j'insiste sur un point qui n'est peut-être pas pertinent pour vous. Mais c'est justement la raison de votre présence, de votre comparution. Donc, en gros, c'est la question des mariages forcés. On a pu se faire un peu une idée du sens pour vous des expressions mariage conscrit, mariage forcé. Je ne vais donc pas vous demander de définir le mariage forcé, puisque j'ai cru comprendre que vous n'appréciez pas ce terme. À moins que vous soyez en mesure de définir le mariage forcé pour nous dans ce prétoire, au sens que vous donnez à ce terme. Quand vous l'utilisez. Réponse. Je ne peux pas le définir puisque ça n'a pas fait partie de mes conclusions. Merci. Ceci m'amène à d'autres conclusions. I've just been reminded on the break time, so I'll tell you which on me rappelle question qu'il y aura I'll ask une pause. Because you might wish to think a bit about it during the break. De quoi il va s'agir, comme ça vous pourrez y penser pendant la pause. Donc, j'aimerais que vous répondiez assez brièvement. En termes qui soient compréhensibles pour les gens qui nous écoutent. Today, no matter what you wrote into your, quoi que vous ayez thesis, écrit dans votre thèse, what findings, aujourd'hui, if any, selon vous, can you quelles make conclusions on the pouvez-vous tirer, le cas échéant, concernant l'existence, la fréquence, la politique de mariage forcé durant la période that's des Khmer Rouges. Voilà la question I'll que je vais vous poser. Je vous laisse le temps d'y penser pendant la pause. And as I said, I would et comme je l'ai dit, je vous laisserai volontiers préciser plus tard, mais j'aimerais que vous donniez une réponse claire et concise. Oui, je peux tirer des conclusions ou bien non. Ou encore, oui, des conclusions là-dessus, mais pas là-dessus. Et alors, on pourra continuer le cas échéant. On partira de là. Merci. Le président, merci. Le moment est venu d'observer une pause. Les débats reprendront à 10h35.